بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 24 sur le cours de dérivation études fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Donnez une approximation affine de racine carrée de 1 plus x au voisinage de 0 et donnez une valeur approchée de 1 de la racine carrée de 1,2016. Passons maintenant à la réponse. Réponse. On a déjà fait un petit rappel sur ce genre d'exercice dans l'exercice numéro 23, c'est-à-dire l'exercice précédent, l'exercice précédent يشوف معايا داك التيرابي اللي ذكرنا واخا ما كافيش اللي باراجع مزيان هاد لابروكسيماسيون افين خصو يرجع للدرس ديال ديريفاسيون ديال بروميير اني باك. دونك هنا غادي نشوزي اون فونكسيون باش اللي غادي تكون موالمه مع هادشي اللي طلبوا مني، سوا اف دو اكس تيكال راسين كاري دو اكس. تقدر تقول لي يا استاذ علاش ما خديتي 1 بلس اكس؟ راه ملي غادي نخدم اف دو اكس تيكال راسين كاري دو اكس راه يمكن شونجي اكس باغ 1 بلس اكس، باتو لي هنا نت راسين كاري دو 1 بلس اكس. هي الخدمه في هاد لا فونكسيون سهله من هادي. دونك اون فا شيرشي لو نومبر ديريفي دو اف اون 1. علاش؟ حيت هما قالوا لنا une approximation affine de racine carrée de 1 plus x au voisinage de 0. Lorsque x est au voisinage de 0, on s'approche de 1. C'est pourquoi je vais chercher la dérivée en 1. Donc je vais la chercher à l'aide de la définition limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal limite quand x tend vers 1, f de x c'est la racine carrée de x, moins f de 1 c'est la racine carrée de 1 c'est 1, sur x, x c'est la racine carrée de x moins 1, facteur de la racine carrée de x plus 1. Je peux mettre la racine carrée de x parce que je travaille au voisinage de 1. Je suis tout près de 1. Donc racine carrée de x moins 1 va se simplifie avec l'autre racine carrée de x moins 1 qui se trouve au dénominateur, ça donne limite quand x tend vers 1 de 1 sur racine carrée de x plus 1. Et bien maintenant je peux remplacer x par 1, ça donne 1 sur racine carrée de 1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 1 qui est égal à 1 demi. Donc maintenant je passe à la tangente, soit t la tangente à la courbe CF en 1. La tangente à la courbe CF en 1. Donc, T a pour équation Y est égal à F' de 1. Facteur de x moins 1 plus f de 1. Bon, l'équation de la droite T s'écrit d'une manière générale. Y est égal à f' de A, facteur de A moins 1, facteur de x moins 1 plus f de A. Ici, petit a, c'est 1. Maintenant, je remplace f' de 1 par sa valeur. On a dit que f' de 1, c'est 1 demi. Donc, y est égal à 1 demi facteur de x moins 1 plus f de 1, c'est la racine carrée de 1, c'est 1. Y est égal à 1 demi x, 1 demi fois moins 1 moins 1 demi plus 1, c'est plus 1 demi. Prenons g de x est égal à 1 demi x plus 1 demi. G est une approximation affine. G
est une approximation. ضروني على ليكريتور ما تكتبش ليا مزيان هذا راه مشكل ديال لابليكاسيون تي لابروكسيماسيون افين دو اف او فوازيناج دو 1 او فوازيناج دو 1 autrement dit la fonction f du départ se comporte comme la fonction g au voisinage de 1. Donc il a besoin de chercher l'image d'un élément qui est très proche de 1 par la fonction f, il peut bien mettre l'image dialo par la fonction g. Et donc le même comportement au voisinage de 1. هذا هو المعنى ديالها. سما هو approximation affine حيت l'écriture ديالها هي هذه اللي كنا شفنا في البريمير سيكل toute fonction qui s'écrit sous forme de mx plus p est une fonction affine. Donc, f de x est à peu près égal à g de x au voisinage de 1, ou bien de 1, au voisinage de 1. C'est-à-dire, f de x est à peu près égal à 1 demi x plus 1 demi. Maintenant, posons x est égal à 1 plus h. Quand x tend vers 1, quand x tend vers 1, on a h qui tend vers 0. Donc, f de 1 plus h est à peu près égal à 1 demi. Facteur de x, c'est 1 plus h plus 1 demi. F de 1 plus h est à peu près égal à 1 demi plus 1 demi, c'est 1, plus 1 demi h. F de 1 plus h, c'est la racine carrée de 1 plus h, qui est à peu près égal à 1 plus 1 demi h. H, hachi, au voisinage, il est juste au voisinage de 0. Au voisinage de 0. Conclusion, la racine carrée de 1 plus x, je peux remplacer h par x. H c'est une variable, on peut dire x ou a ou la kada. Mais je vais te dire, c'est que tu x, il y a 1 plus h. Là, c'est une variable quelconque. Le même qui tend vers 0. 1 plus 1 demi x. Alors, je vais te dire, c'est que tu as x, alors que tu as dit h. Alors, quand tu as fait l'exercice, tu as une approximation de racine carrée de 1. Une approximation affine de racine carrée de 1 plus x. Il y a 1 plus 2x, plus 1 sur 2x. Aïe, donc, l'approximation affine de racine carrée de 1 plus x au voisinage de 0, x au voisinage de 0, et 1 plus 1 demi x. Voilà. Maintenant, on va donner une valeur approchée de la racine carrée de 1,0016. Donc, on va l'écrire directement.
La racine carrée de 1,0016, c'est la racine carrée de 1 plus 0,0016. 0,0016 ou bien 0,2016, il est au voisinage de 0. Donc je peux appliquer cette formule. Donc la racine carrée de 1 plus 0,0016, il est à peu près égal à 1 plus 1/2 fois 0,0016. 1/2 fois 0,0016. اسمحوا لي راه الكتابه ما تتبانش مزيان ولكن ما سوقت لي والو خصني نعاود هذه لابليكاسيون عاوتاني ندير لها لا ميزا جور لانه الكتابه بعض المرات ما تكتبش كيف بغيت. دونك عندنا هنا 0,008 plus 1 ça donne 1,308. C'est ça. 1,308. C'est ça. Ceci est à peu près égal à 1,308. Donc, regardez, je vois le résultat de la calculatrice. Je vais utiliser la calculatrice dans ma tablette. Regardez, je vais utiliser la racine carrée de 1,006. Je vais utiliser la racine carrée de 1,006. باش نشوفوا الفرق. دونك غادي نكتب هنا لا راسين كاري دو 1,0016. نشوف شحال غتعطيني 1,3079 تقريبا 1,308. دونك تقريبا لا ميم شوز. كاين واحد الفرق ديال 1 سور 10000. Je crois 1 sur 10 000, c'est le fait que la valeur est directement la racine carrée ou l'approximation affine. Il y a l'approximation affine. Au moment la calculatrice, 1,3079. Les valeurs sont très très proches l'une de l'autre. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Fdu du Collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.